On vous l'annonçait hier soir, la décision de la commission permanente du Conseil régional d'un plan d'intervention d'urgence en faveur de la filière bois. Des aides qui s'élèvent au total à 65 millions de francs et qui concernent quatre domaines d'intervention, comme nous l'explique Grégory Fraise. 45 millions de francs de subventions, 20 millions d'avances remboursables sans intérêt sur 4 ans. Le Conseil régional soutient la filière bois aux côtés de l'État et des départements. Première mesure, 13 millions seront alloués au stockage humide des bois avant sillage à travers l'aménagement de sites et la mise en place de dispositifs d'aspersion. Ensuite, 3 millions seront consacrés à la construction de hangars pour le stockage de bois scié. Les 20 millions d'avance remboursables iront à destination des menuiseries ou autres ébénisteries pour les inciter à stocker en débarrassant ainsi des scieries. Troisième mesure, 27 millions de francs serviront à développer l'utilisation énergétique du bois et à créer 5 chaufferies collectives au bois. Taverne et Agno ont déjà monté un tel projet. Enfin, 2 millions de francs permettront le lancement de 10 chantiers écoles où une centaine de demandeurs d'emploi pourront effectuer du nettoyage, du dégagement ou du repeuplement. Au même moment, le Conseil général du Haut-Rhin a annoncé une aide départementale de 20,4 millions de francs pour l'aide à la rémunération des bûcherons, au stockage et au réaménagement des sentiers, des rivières ou des vergers.